Aujourd'hui, quand vous regardez globalement le Cameroun en 2018, comment vous définiriez ce pays? Est-ce que vous diriez plutôt que le pays se porte bien ou alors qu'il se porte mal globalement? Non seulement globalement, mais dans les détails. Oui. Mais je crois que vous n'avez pas oublié de lire ma lettre de démission de 1997. Je vous prie de la lire et de la faire lire. Vous allez y Ça fait découvrir, déjà 21 ans. oui, mais alors, Hein. c'est ça qui est pertinent. Les mêmes choses que j'ai écrites, que j'ai dites à haute et intelligible voix, sans haine, sans rancœur, ce que nous vivons en pire. Donc, c'est une société, disons, qui est à cran, c'est-à-dire exaspérée, parce que rien ne marche, quel que soit le secteur. Je ne le dis pas pour être un opposant, je ne sais pas de quel bord. Je l'ai vu des deux côtés. J'étais du côté qui gouverne. J'étais du côté des gouvernés. Et j'étais du côté beaucoup ne savent pas, ils n'ont pas vécu, comme vous, je ne vous le souhaite pas, dans Merci. la neutralité de ma cellule. Alors, quand vous avez vécu tout ça, vous pouvez prendre du recul, et je suis terrifié de voir que, malgré ça, ceux qui nous gouvernent pensent que tout va bien, on doit aller de l'avant. J'ai dit non.